Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes. Championship, Derby County renverse Leeds et file en finale des playoffs. Après avoir compté un retard cumulé de 2 buts, Derby County a battu Leeds, 4-2, en demi-finale retour des playoffs mercredi et s'est qualifié pour la finale de Wembley. La soirée avait commencé comme dans un rêve et s'est transformée en cauchemar pour les très bruyants supporters de Leeds. Dans un stade d'Elland Road d'abord bouillant, les Pickaxe, victorieux, 1-0. En demi-finale aller de playoffs samedi, ont perdu, 2-4, un match d'une grande intensité, l'arbitre a distribué 9 cartons jaunes et 2 rouges, face à Derby County mercredi, laissant leur adversaire filer en finale, prévu le 27 mai à Wembley. Les Pickaxe avaient pourtant ouvert le score par Stuart Dalla, 1-0, 24e. Mais le défenseur central Liam Cooper et le gardien Francisco Kessile, auteur d'une grosse erreur de communication, ont permis à Jack Marriott, tout juste entré en jeu, de remettre Derby dans le match, 1-1, 45e. En seconde période, Mason Mount, 1-2, 46e, et Harry Wilson, 1-3, 58e, ont donné un avantage d'un but sur l'ensemble des deux matchs à Derby. Mais l'absence de la règle du but à l'extérieur permettait à Leeds d'y croire encore. Dalla a d'ailleurs remis les Peacocks en position d'atteindre les prolongations, 2-3, 62e, avant que Marriott n'y aille lui aussi de son doublé, 2-4, 86e, pour offrir une place à Wembley à Frank Lampard, pour sa première saison en tant qu'entraîneur. Marcelo Bielsa, très populaire à Leeds pour avoir amené le club aussi loin avec un effectif de milieu de tableau, ne verra pas la Premier League la saison prochaine.